Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui je suis ici pour faire un tag. Tag, 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 tag. Do you guys play tag? Est-ce que les Français jouent tag? Franchement, on dit tag quand on était petit. Je te tag, je te. Enfin, je sais pas. Dis-moi. Je suis pas française quoi. Ok, donc le tag Instagram. Enfin, je crois que c'était créé par Tarla Dirlana. Tarla Nana, quoi. Donc, je l'avoue, sur la chaîne de Miss Puyi, parmi d'autres. Et je me suis dit, moi j'adore Instagram. Franchement, je l'adore. Donc, j'ai décidé de faire cette petite tag. Donc, c'est parti. Première question. Ton Instagram, enfin moi c'est Rach Martino, ça c'est le nom de ma chaîne américaine, donc c'est ici c'est Rachel Martino, là-bas c'est Rach Martino, donc voilà, c'est un peu fou quoi. As-tu Instagram depuis longtemps, depuis quand? J'ai Instagram depuis un an et demi, enfin mon première photo est environ, je dis, enfin peut-être c'est presque 2 ans. Parce que ce que je me souviens, c'est que j'étais sur un rendez-vous. On dit pas un rendez-vous. J'ai sorti avec un mec. C'était la seule fois qu'on est sorti. Mais il m'a dit, enfin, j'ai pris une photo. On était dans fête foraine ensemble. Et j'ai pris une photo avec mon iPhone. Il a dit, oh, est-ce que tu vas utiliser Instagram parce que tu es un hipster? Et je me suis dit, what are you talking about? Je n'avais rien d'idée de quoi il se parle, donc c'était le même. C'était cette fois quand je suis rentrée chez moi en disant quel horrible mec, mais je vais installer cette application. Voilà. Donc je crois qu'on était. On a sorti. Enfin, c'était plutôt en septembre. Donc ça fait presque, enfin 2 ans en septembre, je disais. Quelle a été ta première photo postée? Je me souviens que c'était en photo d'une bague. Enfin, je crois que je l'en ai plus, qui est dommage. Mais c'était une bague d'une feuille qui était vraiment belle. Je vais mettre juste ici. Donc voilà. Vas-tu suivant, enfin. Oui, vas-tu, troisième question, vas-tu suivant sur Instagram, la fréquence, jour, semaine, etc. Je dirais plus qu'une douzaine fois par journée. Il faut dire, enfin, je l'adore. Par semaine, oh là là, thousands, je sais pas. Mais très très souvent. Donc. Quelle est ta pire photo sur Instagram? C'était une mauvaise question, quoi. Non, je rigole. Mon pire photo. Je suis sûre que quand j'ai commencé, j'avais des photos de merde. Plutôt parce que j'avais un iPhone 3G, même pas 3GS, juste 3G. Et c'était vraiment des photos de mauvaise qualité. Donc, je vais mettre une photo que j'aime pas ici. Quelle est la photo sur Instagram qui a eu le plus de succès selon toi? Le plus de succès selon toi ou le plus de succès quoi? Enfin, je vais vous mettre la photo avec le plus de succès et je suis presque sûre que c'était une où j'avais les boucles. Oui, enfin je vais vous mettre la photo en bas ici, mais enfin je sais pas pourquoi ça m'a beaucoup étonnée parce que en fait c'est plutôt la texture naturelle de mes cheveux. Donc, vous l'avez bien aimé, je crois. Ensuite, combien as-tu des abonnés sur ton compte et combien suis-tu des personnes également? En ce moment, j'ai
5370 abonnés. Wow, that was terrible. Okay. 5371. No, 70. Si vous regardez mes vidéos, vous savez déjà que je déteste les numéros en français. Donc, 5370. That's as fast as I'm gonna say it. Et je suis 564 personnes par compte Instagram. Qui est la dernière personne à avoir liké, aimé une de tes photos? Je te dirai. C'était Patricia. Why all the numbers, you guys? Patricia 93. Patricia 93. Merci, Patricia 93. Ok. Ensuite, si t'es une personnalité ou marque que tu suis et une qui te suit, toi, si c'est le cas. Ah, je comprends. Ok. Niveau des marques, j'adore Lulus. C'est une marque des vêtements américaines avec des super photos qui sont très bien pensées, très branded, très qui représente franchement la marque. Personne que j'aime suivre, j'aime bien suivre les blogueurs de mode. Ah, j'adore OOTD Magazine parce que chaque jour ils présentent une blogueur, enfin quelqu'un avec des super looks, des super tenues de jour. Donc ça j'aime bien. J'aime bien Trop Rouge qui est une blogueuse américaine, enfin rien à dire avec son nom, mais elle est une mannequin ainsi qu'une blogueur et elle a des super photos. Elle est trop belle. Ensuite, j'adore ma copine Apnit. Son nom Instagram c'est Fabric Snob et elle est indienne et elle est franchement trop jolie. Mais elle a trop de style. Elle est vraiment rock and roll. Elle est vraiment, elle a des super photos. Enfin, j'adore toujours ses photos. Presque toujours en noir et blanche. Enfin, elle a franchement beaucoup de style. Hi Apni, I'm sure you're not watching this. You don't speak French. Mais elle prend les cours, elle suit les cours des français. Je crois qu'elle n'est pas très douée, mais elle essaie quoi. Elle est encore étudiante à l'université. Ensuite, montre nu une à Montre-nous une à trois des photos préférées sur ton compte Insta. Je vais vous montrer quelques belles photos. Donc, le premier, c'est la photo que j'ai mis sur l'anniversaire d'un an chez mon appartement. J'utilise une app qui est super qui s'appelle A Beautiful Mess. Donc, je vous conseille franchement cette app parce que ça c'est comment j'ai écrit home sur cette photo et c'est mon vélo, ça me rappelle de juste combien j'adore mon appart, combien j'adore ma vie à New York. Donc. Ensuite j'ai une photo de moi à Nashville avec le chien de ma copine June et j'adore cette photo parce que je trouve que tu pourrais bien voir ma joie. Enfin, j'ai adoré cette petite séjour à Nashville. Donc voilà, une photo que franchement j'adore. Ensuite, j'ai une photo de ma famille. Donc j'adore mon père et ma mère. Voilà, une photo de ma famille.
Il y a plein que j'adore. Je dirais un de plus. Ça vous dérangeait? Donc, dernière, je vais vous montrer une photo de moi chez mon bedgown. Que c'était sur mon blog. Je vous conseille de le voir sur mon blog, rachmartino.com. Voilà. Et c'est juste une sensation de Brooklyn, de New York, de l'été, quoi. En buvant une bière tranquillement. Donc voilà, je crois qu'il y a une dernière question. Et ça, c'est qui est la dernière photo qui apparaît sur ta page d'accueil actuellement? Et c'est celui-ci de moi avec des petits cœurs qui sont créés par l'application que j'en ai parlé. Et c'est A Beautiful Mess. Et c'est moi avec mes lunettes tout rétro. Et j'ai pris cette photo le même journée que j'ai tourné ma swap avec Miss Letty. Donc j'adore ce maquillage et ce style. C'est vraiment rétro et c'est une photo que j'aime bien. Voilà. Donc n'hésitez pas de me suivre sur Instagram parce que... Je l'adore, j'adore tout ce qui est Instagram, donc j'adore. Je tag Mademoiselle Suze, ensuite Miss Caroline, qui est-ce que je suis que j'aime bien? Miss Pouy l'a déjà fait, Emma Dolly, j'aimerais bien voir, parce que tu as les photos assez marrantes, Instagram. Voilà, je les ai taguées, si vous avez envie de faire ce tag, laissez-moi en réponse, en vidéo, je crois qu'on dit ça. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de me suivre sur Instagram à Rachmartino. À très bientôt, bisous, au revoir.